La Libre Antenne. La Libre Antenne. C'est du lundi au vendredi, de 20h à 21h. De 20h à 21h. Les meilleures interviews de Phil sur Radio People. Sur Radio People. Nos invités racontent leur vie, leur passion, leur combat. Et Phil leur donne le temps pour le dire. Pour le dire. La Libre Antenne. C'est sur Radio People. Et c'est pour en savoir toujours plus, plus sur la vraie vie de nos invités. Bonjour, je m'appelle Marc-Olivier Perotti, tout le monde m'appelle Marcol. Je suis ici pour vous parler du livre que je viens de sortir qui s'appelle « J'ai vaincu la tétraplégie, mon incroyable combat vertical ». Bonjour, je suis Marianne Perotti, l'épouse de Marc-Olivier. Et nous sommes dans la libre antenne de Radio People. Exactement. Ils l'ont bien dit, en duo, c'est magnifique. Quel plaisir de vous accueillir ensemble, en couple. Hein, Marc-Olivier, tu t'attendais pas à celle-là, hein? Tu t'es dit, ça y est, je vais faire de la promo, c'est mon bouquin, c'est mon histoire et tout. Ben non, madame est avec. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour. Je suis d'autant plus ravi. Merci Phil. Avec plaisir. Ça fait plaisir de vous accueillir au studio Radio People. Ce livre incroyable, incroyable, mais vrai? Mais vrai, une histoire vraie, hein? Oui, tout à fait. Ah ouais. Mon histoire, mon vécu. Bon, ça date d'il y a quelques années, évidemment, mais ça a commencé à la veille de mes 17 ans. Donc, il y a fort longtemps. Maintenant. Mais on va parler avant les 17 ans. Oh là là, on va parler de tout ça, on va prendre son temps. Moi, il y a juste un truc qui m'a un petit peu dérangé, le titre. J'ai vaincu la tétraplégie. Ouais, j'aurais mis, moi, j'ai vaincu ma tétraplégie. Alors, parce que j'ai envie de dire, j'ai vaincu la tétraplégie, donc chouette, tous les tétraplégiques qui vont nous écouter ou qui vont t'entendre diront, ah, il existe une solution. Oui. Oui. C'est vrai, mais ça a été, alors pour la petite histoire, effectivement, on a hésité entre la et ma, mais c'est au niveau des éditions Favre. Pierre-Marcel Favre qui a dit, on va mettre, non, c'est le chef qui a décidé. En quelque sorte, oui, ouais. Non, c'est son éditrice, Aline, d'ailleurs, que je salue, voilà. Au passage, okay. Et qui a préféré qu'on mette la tétraplégie, c'était un peu plus général. Et moi, j'étais plus sur mon incroyable combat vertical, puisque c'est effectivement mon histoire à moi. Si j'ose dire. Bah oui, évidemment. Faire un livre, c'était obligatoire. C'était à un moment donné, voilà, faut expliquer. C'est quoi? C'est pour témoigner? C'est pour dire que le rêve existe? Alors, en fait, ce livre, je l'ai pas voulu. Ça fait bizarre à dire, parce que c'est vrai que mon accident date d'il y a plus de 30 ans. Mais c'est donc Pierre-Marcel Favre qui m'a contacté directement des suites d'un article qui est sorti dans Le Matin fin mai cette année. Nous étions partis, on en parlera un petit peu plus tard, mais je suis le président de l'association Qui fait quoi, qui est une association pour personnes en situation de handicap. Nous sommes partis au Maroc début mai cette année pour faire une aventure humaine et humanitaire. Où nous avons emmené une vingtaine de personnes, 8 en situation de handicap au Maroc, amené du matériel donc, à des personnes en situation de handicap et des enfants handicapés là-bas au Maroc. Et puis, on a eu la chance d'être suivi par une journaliste du Matin, Trinidad, et un photographe du Matin. Et il y a un magnifique article, une tribune incroyable qui est sortie, page de couverture, 7 pages entières dans Le Matin. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Et Pierre-Marcel Favre a lu tout ce qu'il y avait dans le journal, et puis dedans il y avait un petit encart sur le président de l'association, en l'occurrence ma pomme, et puis il a vu que j'étais un ancien tétraplégique, et il m'a contacté en me disant, mais n'avez-vous jamais songé à écrire un livre sur votre histoire, sur votre vécu? Tu y avais pensé? À un moment donné, on a envie de se dire, finalement ce qui m'est arrivé, une fin heureuse, on va dire, comme ça, mais on a envie de témoigner, on a envie de dire, tiens, pourquoi pas écrire. Alors, en fait, il y a une petite bande dessinée qui est sortie en 1995, qui a été faite par le dessinateur Exem. Voilà, une petite bande dessinée de 16 pages qui marque en flash un tout petit peu les différentes étapes des suites de mon accident. Et ça, c'était la chose que j'avais fait à l'époque, qui était un bon exutoire, on va dire. Et puis, après, je n'ai pas eu vraiment l'idée ni l'envie, parce qu'au départ, il faut que j'avoue une chose, je ne suis pas du tout un lecteur. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais lu un livre en entier. Donc, quand Pierre-Marcel Favre me contacte et me dit qu'il faut écrire un livre, j'ai dit, mais j'ai encore jamais lu un livre en entier dans ma vie. Comment voulez-vous que je suis encore moins écrivain? Donc, il m'a dit, c'est pas un problème, on va dépêcher une journaliste et vous allez le faire ensemble. Et puis, je me suis dit, finalement, oui, pourquoi pas? C'est peut-être la bonne période. Y a-t-il vraiment une période pour écrire un livre? Mais voilà, j'ai quand même quelques années de recul derrière moi. Je fais beaucoup dans le monde associatif en rapport avec le monde du handicap depuis des années. Et puis, parfois, les gens le savent, que je suis un ancien tétraplégique, au sein des personnes en situation de handicap qui font partie de Qui fait quoi et d'autres qui gravitent autour. Mais des fois, on ne le sait pas. Et puis, c'est la journaliste, en fait, qui m'a convaincu en disant, mais ce livre, il va,
Il va servir pas seulement pour les personnes qui sont en situation de handicap, ça va parler à monsieur et madame tout le monde. Il y a des moments donnés, des paragraphes où les gens se reconnaîtront dedans, etc. Et puis maintenant qu'effectivement il est sorti il y a un mois, ce livre, et je commence à recevoir des témoignages de personnes qui l'ont lu, et ça va de toutes sortes de témoignages. Qu'est-ce qu'on te dit ? Qu'est-ce qu'on te raconte ? Alors, comment il est reçu ? Il est fort bien reçu, je suis étonné. En fait, Adélita Genoux, qui est la journaliste avec laquelle on a écrit ce livre ensemble, m'avait averti. Alors moi, je me suis dit, d'accord, c'est ça, oui. On verra bien. Enfin, c'est une journaliste, quoi. Et puis, au fur et à mesure que je reçois des témoignages, alors ça peut être des très courts témoignages, quelques lignes par SMS ou sur Facebook, et puis ça peut être des témoignages beaucoup plus conséquents, des très beaux témoignages. J'en ai un ou deux qu'on m'a autorisé de laisser sur mon Facebook, d'autres qu'on ne m'a pas autorisé à le faire, mais voilà, j'ai des très très beaux témoignages, très touchants en fait. Je ne m'attendais pas à être touché à ce point-là, sur le retour des gens après lecture de mon livre, de mon histoire en fin de compte. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont clouées soit dans un lit, soit dans une chaise, tétraplégiques, et toi, tu marches tout seul, sans assistance, sans aide, comme ça, c'est quoi ? C'est un miracle ? C'est une chance ? C'est Dieu ? C'est toi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en face de moi comme ça, et puis tu es arrivé en conduisant ta voiture, en sortant de ta voiture, en montant ici dans l'ascenseur, les escaliers et tout ? C'est quoi ? Vu d'aujourd'hui, pour toi ? C'est un petit peu tout à la fois. C'est un doux et beau mélange. En fait, donc, il faut se resituer. C'est en 1984 que cet accident m'arrive, à la veille de mes 17 ans. Et puis, je vais avoir une succession de chances incroyables. Alors, sans vouloir spoiler tout ce qu'il y a dans le livre, puisqu'il faut que quand même les gens aillent l'acheter, ce livre. D'ailleurs, petite parenthèse, il se trouve à la Fnac, chez Payot, et dans les grandes librairies. Il est sorti qu'en Suisse pour l'instant. Il sortira en France et en Belgique l'année prochaine, je crois au printemps 2019. Et donc, voilà, pour dire, moi, je suis en vacances avec mon meilleur pote, guitariste du groupe dans lequel je joue à l'époque, groupe Clin d'œil. On est quatre musicos, et puis moi je suis batteur, et on part en vacances, François, sa sœur Lise et ses parents, on fait du camping au bord de l'océan Atlantique, tout se passe bien, on est dans les Landes, ça fait 15 jours qu'on est en vacances, tout est bien et merveilleux, et puis tout d'un coup, un jour, pourquoi ce jour-là, j'en sais rien, voilà, c'est le 23 juillet, la veille de mon anniversaire. Quand on est bien bronzé d'un côté, bien bronzé de l'autre, on court dans l'eau pour faire un plongeon plat. Il y a tout le monde qui fait ça sur toutes les plages du monde entier. Et puis, donc, tu as de l'eau qui arrive aux genoux à peu près, ou voilà. Un peu plus haut, comme ça, voilà. Puis on se lance en avant, quoi. Exactement. Ouais. Quand on a de l'eau jusqu'aux genoux, puis qu'on n'arrive plus à avancer dans l'eau, on fait un plongeon plat, bête et méchant. Voilà. Ouais. Sauf qu'en tant que touriste, je ne savais pas qu'au bord de l'océan, c'est pas comme en Atlantique. Dans l'Atlantique, c'est pas la même chose qu'en Méditerranée. Ouais. Le fond peut bouger dû aux baïnes, dû au courant marin. Et donc, où j'avais les jambes, j'avais assez de fond, mais où je suis arrivé 2 mètres plus loin, de ma propre hauteur à ma vitesse, il n'y avait qu'à peine 30 cm d'eau. Et donc, j'ai heurté une dune de sable qui était sous l'eau. Et les bras n'ont pratiquement rien retenu. C'est la tête qui a morflé, donc le coup du lapin. Et puis là, j'ai instantanément la cervicale C5 qui a éclaté. Et donc, aussi instantanément, je me suis trouvé 100% paralysé de la tête aux pieds. Cette chute dans l'eau comme ça, qui n'a jamais couru dans un bord de mer, dans l'eau, qui n'est jamais tombé, puis peut-être se frotter un peu le ventre ou je ne sais pas quoi, c'est quoi ça ? C'est la malchance ? C'est la poisse ? C'est le destin ? Je pense que c'est le destin. Une malchance, oui, sur le moment M, sur le choc, mais moi, je dis toujours, c'est que dans la seconde qui suit, j'ai une autoroute de chance. Parce qu'effectivement la malchance s'est tapée dans cette dune. Mon pote François, qui est à 2 ou 3 mètres de moi, qui lui court aussi dans l'eau, dans la même eau, et qui plonge, lui ne va pas taper. Alors, est-ce qu'il a encore un peu la dune de sable ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'il a un angle qui est différent du mien? Sûrement. Mais moi, je vais taper là dans le sable. Et puis qu'est-ce qui se passe? Quel souvenir tu as, comme tu racontes dans le livre, de ce moment-là? Alors, le souvenir, il est tout à fait présent, parce que d'abord, je ne perds pas connaissance. Je suis pleinement conscient, même si ça a tapé fort et puis que je suis sonné. Et puis, il va arriver quelque chose assez incroyable à 17 ans. Je le dis maintenant avec du recul, puisque je suis un vieux bonhomme maintenant. À cet âge-là,
je vais avoir la présence d'esprit de me dire bah, j'ai maximum une minute d'air dans les poumons, je flotte dans l'eau, je suis dans 30 cm d'eau, je vois le sable, c'est tout, je ne peux pas bouger, je ne peux même pas me relever avec mes bras pour essayer de prendre une respiration, c'est, voilà, je suis face dans l'eau. Et puis je vais avoir la présence d'esprit de me dire bah, voilà, une minute maximum d'air dans les poumons, si François n'a pas fait la même bêtise que moi, et, bah, il va voir que je n'ai pas suivi. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc ça, c'est la première chance, c'est que lui, il va revenir en arrière, il va avoir mon corps qui flotte dans l'eau, et puis il va pas se dire, tiens, il fait exprès, je vais en rajouter une couche, lui faire semblant de le noyer, etc. Pas du tout. Il va me retourner dans l'eau, et ça va pas me faire de dégâts supplémentaires au niveau de la moelle épinière, ce qui est une chance supplémentaire. Et puis là, je vais prendre une grande bouffée d'air et lui dire, écoute, je sais pas ce que j'ai super mal à la tête, j'arrive plus à bouger. Et lui, bah, il va juste me maintenir la tête hors de l'eau, sans faire plus de dégâts. Et je ne le savais pas, je le saurai plus tard, c'est qu'il avait lu un mois auparavant notre départ en vacances, un livre d'une Américaine qui s'appelle Johnny, qui a 17 ans, comme moi, a fini tétraplégique à cause du même accident que le mien. Et donc, elle a fait écrire un livre sur ça, et lui, il l'a lu un mois auparavant. Donc forcément, ça lui fait tilt quand il est dans l'eau, à mes côtés. Il me tient la tête hors de l'eau, il fait signe à son père qui est sur la plage. Son père vient me chercher, et son père, à l'époque, Yvalin, c'est mon médecin de famille. Donc forcément, lui, il va tout de suite penser traumatisé médulaire et tout ce qui en suit. Donc le père et le fils vont me sortir de l'eau en me mettant la nuque sous extension, en faisant très très attention à ne pas faire de dégâts supplémentaires sur cette moelle épinière qui est lésée. Ça aurait pu être beaucoup plus grave à ce moment-là. Ça aurait pu être nettement plus grave, effectivement, à ce moment-là. Mais dès ce moment-là, ils font vraiment, vraiment super attention et tout se passe bien. Et puis sur la plage, ils vont me mettre couché sur le dos et non pas sur le côté. Parce que comme je n'ai pas bu la tasse, il n'y a aucune raison d'être mis sur le côté. Donc voilà, c'est juste pour dire que les choses vont s'enchaîner parfaitement bien. Je vais être à plat, le dos dans le sable. Et puis le père et le fils vont aller chercher les secours de plage et la maman va rester là. Et le père va dire, personne ne touche. Personne ne touche à Marcole, puisqu'il ne faut pas qu'on me bouscule et refaire des dégâts supplémentaires sur cette moelle épinière. Et le papa et le fils vont chercher les secours de plage. Et là, il va dire, je suis médecin, c'est grave, c'est trauma médulaire. Donc, hélicoptère tout de suite, ce n'est pas la jeep de plage, on ne va pas perdre de temps. Donc, les secouristes de plage vont tout de suite appeler un hélicoptère pour venir me chercher. Donc voilà, de nouveau, comme je dis depuis le début, une autoroute de chance, là, c'est toujours que une succession de belles chances qui arrivent sur ma petite personne à ce moment-là. Et voilà, que du bonheur, en fait, hein, au final. Parce que quand l'hélicoptère va arriver, eh bien, le médecin de l'hélico et le médecin de famille, avec qui j'étais en vacances, vont prendre la sage décision de m'emmener non pas au premier hôpital de province proche de la plage de Moliette et Emma, sur laquelle j'ai eu mon accident, mais plutôt prendre la sage décision de m'emmener à 150 km de là, puisqu'on était à 150 km au sud de Bordeaux, et donc de m'emmener à l'hôpital universitaire de Bordeaux pour être pris en charge directement par les bonnes personnes, et puis surtout pour éviter de perdre du temps. Si j'avais été dans un hôpital de province, eh bien évidemment, il y aurait eu une perte de temps inutile pour un cas grave comme le mien à l'époque. Et donc là, je vais être ensuite pris en charge à Bordeaux par la neurochirurgie. Là aussi, effet de chance supplémentaire, c'est que à l'époque, les urgences étaient prises le lundi par le premier étage, le mardi par le deuxième étage, etc., etc. Et le jour où je suis arrivé, par chance, c'était la neurochirurgie qui prenait, la neuro qui prenait en charge toutes les urgences. Donc, je n'avais pas besoin d'être redistribué. Donc, encore une fois, pour éviter une perte de temps. Et tout ça a joué évidemment en ma faveur, puisque eh bien, on m'a pris en charge très très vite. On m'a vissé dans les tempes deux vis avec un anneau au-dessus de la tête pour me mettre sous extension de 5 kilos. On peut raconter ça un peu tranquillement parce que c'est assez impressionnant, on va dire, oui. cette épreuve-là. Oui, alors bon, j'avoue que bon, on m'a endormi localement quand on m'a mis les vis. Enfin, c'est un petit peu hard ce que je raconte là, mais c'est ce que j'ai vécu. Donc c'est pas évident à cet âge-là de... Vous avez tout ce monde médical autour de vous, et puis on va m'endormir localement au niveau des tempes pour effectivement mettre des vis, et puis ce crochet qui va, avec un poids de 5 kilos, me mettre sous extension, parce que en fait l'opération est urgente, l'opération est grave, sauf que comme j'ai 17 ans, que je suis mineur et que mes parents ne sont pas là,
eh bien, ils ne peuvent pas opérer tout de suite sans l'autorisation de mes parents. Et donc, pour pallier en fait à l'urgence, bah, il faut mettre sous extension cette moelle épinière qui est sous pression. Et donc, le seul moyen, si on ne peut pas le faire avec une minerve, il faut le faire en tirant. Et en tirant, bah, c'était le seul moyen, c'était de mettre des vis dans mes tempes et puis de tirer. Et puis à ce moment-là, on va surtout m'injecter un médicament expérimental, où je vais être le septième humain à bénéficier de ce médicament à l'époque. Alors, je ne le sais pas au moment M, je le saurai plus tard, puisqu'il y a une infirmière qui fera son travail de diplôme sur mon cas. Et comme elle a fait son travail de diplôme sur mon cas, elle a pu avoir accès à tout le dossier médical. Et puis, c'est là qu'elle a découvert que j'étais le septième humain à bénéficier de médicaments expérimentaux à l'époque, donc à l'hôpital universitaire de Bordeaux. Ce qui n'aurait jamais été le cas dans un hôpital de province avant cet hôpital universitaire. Et c'était quoi cette... Alors, ce médicament, alors le nom, je ne m'en souviens plus, c'est forcément très scientifique. Alors, on ne m'a pas posé la question à l'époque. Mais ça servait à quoi ? Enfin, alors, c'était pour... il était, voilà. Alors, le médicament, il servait à diminuer l'œdème. En fait, quand on a un choc à la moelle épinière, elle n'a pas besoin d'être sectionnée pour qu'on soit paralysé. Évidemment, quand la moelle épinière est 100% sectionnée, le verdict, il est clair, il est net et ça ne va pas bouger. Et puis, dans mon cas, eh bien, j'avais une infime partie de la moelle épinière sectionnée, on l'a su après. Et puis, surtout, elle était très fortement compressée. Donc, le choc a éclaté la vertèbre cervicale C5, plus trois disques intervertébraux qui ont été écrasés. Et donc, ça, c'est le... Et tout ça fait que la moelle épinière, elle enfle dans un canal, le canal rachidien, qui est comme une espèce de un canal de cheminée. Et puis, la moelle épinière, elle ne peut pas écarter les parois quand elle enfle. Donc, comme elle ne peut pas écarter les parois, elle meurt. Et le résultat, il est exactement le même qu'une section, c'est-à-dire une section de moelle, c'est-à-dire la paralysie. Et ce médicament qu'on m'injecte à l'époque, voilà, pour répondre enfin à ta question, Phil, c'est que, il va diminuer l'enflure de cette moelle épinière dans ce canal, et puis il va activer la circulation du sang à travers cette même moelle, c'est-à-dire qu'au lieu de mourir à petit feu, elle va revivre. Pour autant, on ne m'a jamais promis que j'allais remarcher. Voilà, c'était injecté, et puis après, Inch'Allah, comme on dit au Maroc notamment. Mais peut-être que là, t'aurais eu beaucoup plus de problèmes s'il n'y avait pas eu ce médicament. Alors, oui, c'est sûr. Moi, je pense que voilà, le miracle, il opère, on est bien d'accord. C'est, comme je dis, depuis le début, j'ai beaucoup de chance. Hein, depuis le moment où je suis dans l'eau, tout ça est une véritable autoroute de chance. Et puis, cette chance, elle continue avec ce médicament expérimental. Après coup, aussi, l'infirmière qui a fait son travail de diplôme découvre que ce médicament, il avait été testé sur des chats auparavant, avant l'être humain, et sur un chat sur 1000, eh bien, ça faisait un effet. Et un effet positif. Moi, j'étais le septième humain, personne n'avait parié sur ma tête, personne n'aurait même pas parié sur ma tête. Il y a eu des résultats avec les 6 autres on ne sait pas. Pas que je sache, mais dans le dossier médical, elle a pu voir qu'effectivement, il ne s'attendait pas à ça. Donc, ça aurait pu tomber, la bonne fée aurait pu tomber sur le 1000e bonhomme ou le 800e. Moi, j'étais que le 7e, donc personne ne pouvait parier sur moi. Ouais. C'est tombé sur moi, effectivement. Donc, ce côté miraculeux, on peut vraiment le dire. Il est tombé à pic, puisque voilà, j'en ai eu l'immense privilège de le recevoir, en fait, hein, complètement. Cette opération, une fois qu'elle est terminée, toi, tu es dans quel état à ce moment-là ? Parce que vu d'ici, comme tu le racontes, on connaît l'issue, on est 30 ans plus tard, voilà. Ouais. Très bien, tout va bien, mais... Au moment où tu te fais opérer et tu te réveilles de l'opération. Voilà, alors, juste une petite précision, qu'est-ce qu'on m'a opéré, en fait hein. Oui. Parce que là, on ne parle que de l'injection qui est avant l'opération. Oui. L'opération, elle va se faire un jour et demi après, donc on va m'enlever ce fameux crochet. Ça va se faire le jour où mes parents seront là. Physiquement, ils seront présents. Alors, ils ne pourront pas me voir parce qu'au moment où ils arrivent, je suis déjà sur la table d'opération, 8h30 d'opération, où on va m'ouvrir dans le cou. Alors, pour ceux qui ont la caméra, je vais vous montrer. Hop, c'est ici, entre les piercings. On m'a donc ouvert sur le côté de la gorge. Et puis, on m'a enlevé les morceaux de cervical éclaté, qui n'étaient pas recollables. On m'a pris un os à la hanche, l'os iliac, pour me refaire une vertèbre, la vertèbre C5. Et puis, ensuite, on m'a posé une plaque métallique que je porte toujours, qui est vissée dans 3 vertèbres, C4, C5 et C6. Et puis on m'a retiré ces fameux disques intervertébraux qui étaient complètement écrasés dû au choc et donc qui servaient à plus rien et qui m'auraient fait des problèmes par la suite.
Et puis ben voilà, je me réveille quelques heures après, je suis aux soins intensifs. C'est compliqué, les soins intensifs. Ça va être très compliqué parce qu'il y a des bruits qui vont me gêner, il y a des choses qui vont me gêner. Et puis, je vais aussi avoir une expérience que je découvrirai beaucoup plus tard en ayant regardé un reportage à la télé. Mort imminente, ou je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est en fait, ben moi, je me vois. Je me sépare de mon corps et puis je me vois par le dessus, dans le lit dans lequel je suis. J'ai l'impression que la seule chose qui me retient pour ne pas m'envoler, c'est simplement le goutte à goutte, le tuyau du goutte à goutte. Si je ne l'avais pas eu, je pense que je me serais envolé définitivement. Et puis il y a ce que j'ai appelé moi cette lumière au bout d'un moment qui arrive. Et puis après, je me retrouve de nouveau dans mon corps. Mais voilà, ça, j'ai vécu ça, mais en fait, ça ne m'a pas semblé quelque chose de complètement exceptionnel. C'est plus tard, dans des émissions télé, que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient vécu des mêmes choses que ça. Donc voilà, ça, j'en parle aussi un petit peu dans mon livre. Et puis je vais avoir 7 jours aux soins intensifs, 7 jours qui vont être d'une intensité même un peu violente, parce que bah, là, c'est, moi j'appelle ça un peu l'enfer. Ce moment-là, pour moi, c'est vraiment l'enfer, parce que je vais être dans ce lit couché. Je vais, à partir de ce moment-là, voir que les plafonds, enfin, je le vois depuis le moment que je suis arrivé à l'hôpital, et je vais voir voilà, que les éclairages, que les néons, que les plafonds. Et puis ces soins intensifs, on est séparé des autres patients juste par un rideau, donc on entend tout. Je ne peux pas voir puisque je ne peux pas tourner la tête, j'ai une minerve, je vois que le plafond. Et puis je vais avoir des problèmes dus à mon opération dans le cou, des problèmes de glaire, etc. Donc je vais à moitié m'étouffer plusieurs fois. Je ne peux pas tourner la tête puisqu'elle ne bouge pas. Je ne peux pas cracher ce que j'ai dans la bouche. Donc il faut, et je ne peux pas presser sur le bouton pour appeler l'infirmière. Donc c'est un enfer, jour et nuit. Et je passe des nuits blanches complètes à ne jamais dormir. Et je vais en passer 7 à l'affilée. Et les seuls moments où je vais pouvoir dormir, c'est les moments où mes parents viendront pendant la journée, puisqu'ils auront quelques heures par jour où ils auront le droit de venir me voir aux soins intensifs dans cette espèce de mini sas entre deux rideaux. Et puis, à tour de rôle, ils vont me poser leur main sur mon épaule. Et c'est le moment où ça m'apaise. Et c'est le moment où je peux dormir. Tu te sens protégé ou en sécurité ou, oui. Enfin, voilà. Y a... ouais, cette chaleur ouais. Humaine. Et tu t'endors à ce moment-là. Donc là, t'es... Voilà. Exactement. Okay. Épuisé, puisque j'ai fait des nuits blanches. Ouais. Et je peux dormir et je dors pratiquement une heure. Et en fait, c'est mes parents qui, tétanisés au bout d'une heure, enlèvent tout doucement leurs mains. Et instantanément, je me réveille. Donc je peux dire vraiment qu'en 7 jours, enfin en 7 nuits, je n'ai dormi que 7 heures en tout. Donc une heure par jour. Et, là, ouais. Et ça, c'était vraiment... vraiment hard, quoi. Vraiment une expérience terrible. Et les souvenirs sont toujours présents. Ah ouais. Enfin, j'entends ça, ça ne s'efface pas de la mémoire, ça ne s'altère pas, ça ne s'oublie pas, c'est bien présent. Oui, tout à fait. Mais c'est présent d'une manière comment aujourd'hui ? Enfin, je veux dire, son souvenir, c'est douloureux, c'est avec le temps, c'est comment Avec le temps, ça s'est un peu estompé, mais il suffit que je me replonge dedans. L'émotion revient, oui. Oui. Oui, là c'est sûr. Non, c'est sûr. Là, quand je te parlais juste de la main sur l'épaule, faut pas que j'en parle trop parce que je pense que ça va me tirer les larmes, c'est sûr. Mais malgré qu'il y a beaucoup d'années qui se sont passées depuis. Mais bon, voilà, c'est vrai que en ayant écrit ce livre cette année, il a fallu rebrasser aussi pas mal de souvenirs. Il faut savoir que mon accident, moi, j'en parle très très volontiers. J'ai fait beaucoup de présentations dans des écoles. Voire même au niveau de professionnels de la santé, en formation ou autre, etc. Donc j'ai un témoignage avec un PowerPoint qui peut durer 30 minutes ou une heure et qui est suivi forcément de questions. Et voilà, moi j'ai l'habitude d'en parler sans problème. Et ce que je dis toujours aux gens, en plus, n'hésitez pas à me poser plein de questions parce que je ne suis plus en fauteuil roulant. Si j'étais face à vous en fauteuil roulant, il y a des barrières que vous n'oseriez pas franchir à me poser certaines questions. Moi, je suis debout, vous pouvez y aller sur toutes les questions les plus indiscrètes. Ça change aussi la donne, le fait qu'aujourd'hui, tu es debout. La photo, déjà, du livre est assez parlante. Ouais. Moi, je voudrais savoir,
tu portes le fauteuil à bout de bras, c'est pour le lancer ou c'est pour dire qu'au lieu qu'il soit par terre et moi dedans, c'est le contraire, c'est moi qui porte le fauteuil et c'est pas le fauteuil qui me porte, ou bien c'est pour le lancer, genre il est sorti de ma vie. Alors, écoute, est-ce que ce fauteuil, le fauteuil, est sorti de ta vie vraiment? Alors oui et non. En fait, bon, c'est vrai que cette photo, pour en revenir à... Il n'y en a eu qu'une. Montre-la. Je la montre à la caméra. Ouais. J'espère que ça ne brille pas trop. C'est toi qui brille. Voilà, c'est, c'est Léa, une photographe qui a fait ce shooting avec moi. Et puis, j'avais sorti un fauteuil roulant qui n'est pas le mien de l'époque. Et puis, voilà, en disant, tiens, on va faire ça, ça ou ça, on verra comme photo. Puis au bon moment, on me dit, mais tiens, prends-le voir. Et puis, on fait, justement, on va le jeter, ce fauteuil roulant. Et c'est un peu ça. Et puis, il n'y a eu qu'une seule photo. C'est celle qui est sur le livre. Donc, parce qu'en plus de ça, ce n'est pas forcément hyper léger, le fauteuil roulant à prendre. Donc, il fallait qu'en même temps, j'essaye de sourire. Donc, ce n'était pas compliqué, pas évident. Et puis, moi, je n'ai jamais fait de shooting photo de ma vie avant ça. Donc voilà, ouais, je remercie Léa parce qu'elle a eu cette riche idée. Et puis, quand j'ai vu cette photo sortir, j'ai dit, ce sera celle de la couverture du livre. Ça ne peut pas être une autre. C'est obligé. Mais c'est quoi? C'est toi qui portes le fauteuil qui te portait? Donc, la revanche un peu, enfin, dans l'autre sens? Ou bien c'est justement, je le prends et je le sors de ma vie? Alors, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire que je pense que les lecteurs qui liront le livre pourront traduire ce fauteuil roulant comme ils veulent, en fin de compte. Moi, c'est à la fois le jeter, quand bien même je n'ai jamais jeté le mien de l'époque, je l'ai toujours, il est dans mon grenier, je ne pourrai jamais m'en séparer. J'en donne beaucoup des fauteuils roulants récupérés à droite à gauche pour, dans le milieu associatif, mais le mien, c'est le mien. Il fait partie de ma vie, c'est, je ne pourrai jamais m'en séparer. C'est comme ça, c'est un lien presque de sang. Quoi. C'est quelque chose... Bah, il a traversé l'épreuve avec toi. Enfin, ouais. C'est quelque chose, c'est le compagnon d'épreuve. Complètement. C'est le support du compagnon, comme d'autres... Humain peut-être, mais là, matériellement, je pense que... On a tout vécu ensemble. Et, et voilà, je ne veux pas m'en séparer, c'est sûr. Donc c'est à la fois, voilà, comme tu dis sur cette photo, sur la couverture du livre, c'est un petit peu, qu'est-ce que j'en fais de ce fauteuil? Est-ce que je le jette? Moi, il fait partie de ma vie. Et puis, j'allais dire, au quotidien, puisque en tant que président d'une association pour personnes en situation de handicap, l'association qui fait quoi? Je côtoie très souvent des personnes en fauteuil roulant, donc moi, j'ai plus du tout de barrière, donc le fauteuil roulant, pour moi, je le regarde sans le regarder, quoi. Il fait partie vraiment de ma vie et je lui en veux pas, au contraire, c'est lui qui m'a remis debout. Ça peut pas être, c'est une belle chose. C'est beaucoup, ça parle beaucoup pour moi et j'espère que ça parlera au lecteur de ce livre. Comment tu as envie qu'il soit reçu, ce livre, de la part des personnes qui sont en situation de handicap? Eh ben, les retours que j'en ai pour l'instant sont tous ultra positifs. Donc voilà, c'est pas, personne n'est jaloux parce que je suis debout ou m'en veut parce que je suis debout. Non, au contraire, je pense qu'il y a, apparemment, on n'a pas voulu pleurnichard du tout, ce livre. Et puis, c'est que du positif de toute manière. Donc, non, je pense que ça peut, comme avait dit Adélita Genoux, la journaliste avec laquelle on a écrit ce livre, elle m'a dit, ça va parler à tout le monde. Donc, évidemment que ça parle aux personnes en situation de handicap. Pour l'instant, de manière positive. Voilà, il est sorti il y a un mois, donc on verra dans 6 mois ce que ça donne. Mais moi, je suis très content. Ouais, vraiment. Il y en existe d'autres, des personnes qui étaient tétraplégiques et puis qui... Ah oui, il y en a un qui... Est-ce que tu en as lu des livres comme ça? Monsieur qui ne lit jamais de livres, mais est-ce que pendant que tu étais en fauteuil, par exemple, tout d'un coup, on te parlait où tu voyais quelqu'un qui, justement, était aussi dans un fauteuil et puis s'en est sorti, où tu avais des émissions à la télé, je ne sais pas, par exemple. Tu t'es intéressé à cette partie-là aussi? Alors, non, oui et non. En fait, y en a un qui est très célèbre, c'est Grand Corps Malade, qui est un ancien tétra comme moi. Lui, il a plongé dans une piscine en eau un peu profonde, donc même chose que moi, donc il a tapé au fond, mais lui, c'était dans une piscine.
On a exactement la même cicatrice au niveau du cou, la même cicatrice au niveau de la hanche. Lui, par contre... Sauf que toi, tu fais pas du slam. Voilà. Lui, il est par contre beaucoup plus connu que moi. Non, mais on s'est rencontrés déjà trois ou quatre fois. Et il me reconnaît grâce à mes bagues. Montre-les ces bagues. Voilà. Montre-les ces bagues. Dans le livre, j'explique aussi pourquoi je porte ces bagues-là. C'est un rapport, évidemment, avec mon accident. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Mais oui, Grand Corps Malade, donc je l'ai rencontré. J'ai son livre. Marianne l'a lu, mais pas moi, en tant que mauvais lecteur. Et puis... Mais pourquoi ? Attends. C'est pas que... Tu sais lire ou bien ? Voilà. Oui, je sais lire. Donc attends, mais c'est la volonté de ne pas vouloir se mettre dedans, de pas... Non, c'est un peu... Je me protège d'une certaine manière ou pas c'est... du tout. Non, en fait, c'est par pure fainéantise. D'accord, la flemme, voilà, d'accord. Très bien. En fait, j'ai l'impression que... Alors c'est horrible parce que... Ça ne va pas faire vendre mon livre, mais j'ai l'impression que lire, pour moi, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que je fais tellement de choses en dehors de mon travail, qui sont notamment pour l'association Qui fait quoi, que quand je me couche, en 5 minutes, je dors. Je n'ai pas encore le temps de me plonger dans un livre, bien que tout le monde me dise que c'est bien de le faire. Voilà, donc honte à moi. Mais, non, le matin, quand tu te réveilles, c'est à 5 heures du matin. Et que tu sors le pied du lit et que tu te mets debout. Oui. Il n'y a pas une pensée. C'est pas un moment un peu particulier Alors, en disant waouh, encore un jour, un nouveau jour qui commence et je suis debout encore et toujours. Et... Oui, alors complètement. Il y a un peu ça ou bien ? Absolument, c'est totalement ça. D'autant plus que quand je me réveille, j'ai mal partout. Donc, j'ai mal à la nuque, j'ai mal dans tout le dos parce que j'ai eu un. Quelques années après mon accident de plongeon, j'ai eu un accident de motoneige où ça m'a pété quelque chose en bas du dos, dans la colonne vertébrale aussi. Encore heureux que c'était pas... Voilà, c'était heureusement pas... La moelle épinière n'avait pas été atteinte à ce moment-là. Mais voilà, donc j'ai des problèmes de dos, j'ai de la physiothérapie une fois par semaine depuis plus de 30 ans. Donc voilà, j'ai des... malgré une bonne nuit de repos, je me réveille toujours avec des douleurs à la nuque, en bas du dos, etc. Donc... Et voilà, et j'ai une certaine manière de me lever aussi, qui est la manière qu'on m'a appris à l'hôpital. C'est-à-dire, je me lève pas du tout. Ouais, d'un coup, et puis hop, là, voilà. Je me mets sur le flanc, sur le flanc droit, etc. Il y a une espèce de processus, si j'ose dire, pour me lever. Et donc, ça, c'est un réflexe que j'ai acquis à l'hôpital. Il y a une mise en route, en fait. Complètement. Ouais. Donc, évidemment, tous les matins, il y a ces douleurs qui me rappellent. À l'ordre. Et puis il y a aussi, comme tu le dis, ce côté waouh, je marche, j'ai encore un jour de gagner dans ma vie où je marche. Il faut savoir que ce n'est pas venu tout de suite. Hein. C'est-à-dire que, pour revenir en arrière, moi, quand je suis à l'hôpital, que j'ai eu mon opération, etc., je suis resté 15 jours à l'hôpital universitaire de Bordeaux. Ensuite, ils ont attendu que je sois transportable en avion de ligne, où j'ai fait Bordeaux-Genève, ensuite Genève. Pardon, Bordeaux-Paris et ensuite Paris-Genève, où là j'ai été admis à l'hôpital Beau Séjour, dans l'aile des paraplégiques qui existait à l'époque. Malheureusement, elle n'existe plus aujourd'hui. Il y avait une vingtaine de lits. Et maintenant, c'est à Sion, à la Souva, ou à notre ville que ça se passe. Et puis donc au bout de ces 15 jours, je suis admis à l'hôpital Beau Séjour, donc à Genève. Et puis là, je vais suivre ce cursus de rééducation d'un tétraplégique. C'est quoi le diagnostic à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on te dit ? On m'a jamais rien promis. C'était très dur, mais en même temps, c'est un bel apprentissage. C'est-à-dire que on va me dire, t'es tétraplégique, t'es atteint, etc. Alors moi, à 17 ans, je ne sais pas ce que c'est la tétraplégie. Je suis même pas sûr de savoir ce que c'est de la paraplégie. Donc pour les auditeurs de Radio People, la paraplégie, c'est quand on est atteint uniquement au niveau des jambes, c'est seulement les jambes paralysées. Tétraplégie, c'est les quatre membres, c'est-à-dire les bras et les jambes. Alors ça, c'est pour l'aspect physique. Mais à l'intérieur, on a aussi de la paralysie. Donc la vessie, les intestins, la respiration. Donc moi, j'étais atteint tout de suite. On perd à peu près 5 fois nos capacités respiratoires. Donc il faut s'imaginer, en revenant juste un tout petit peu en arrière, ce que je disais au début de l'émission, c'est que quand je suis moi face dans l'eau, à l'océan Atlantique, je perds instantanément mes capacités respiratoires dues à la teinte que j'ai au niveau de la moelle épinière.
Donc ça veut dire que si j'avais bu la tasse à ce moment-là, je ne serais pas en face de toi, Phil, pour parler aujourd'hui. Donc voilà, parce qu'avec 5 fois moins de capacité respiratoire, si on boit la tasse, je pense qu'il n'y a personne qui peut vous réanimer, mais avec la meilleure volonté du monde. Donc voilà, moi j'ai effectivement... alors j'ai une assistance respiratoire, mais j'ai heureusement pas comme grand corps malade, lui il a eu une trachéo. Donc moi ils ont juste, on a évité la trachéo parce que j'étais atteint mais pas trop. Enfin ça allait juste pour avoir une assistance respiratoire, donc que j'ai eu pendant un moment. Donc voilà, c'est vraiment c'est extrêmement compliqué quoi. On est atteint dans son physique, à l'intérieur, voilà. Et surtout, quand on pose les questions, mais est-ce que je vais remarcher ? Eh bien, jamais personne ne vous garantit quoi que ce soit. Au contraire, on va plutôt dire, bah, tu vois, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. OK. Jamais donner un faux espoir. Donc, on ne m'a jamais donné la moindre lueur d'espoir de quoi que ce soit. Ce qui est très, très difficile sur le moment. Mais en même temps, je trouve que c'est mieux. Parce que d'un côté, au moins, il n'y a pas de... Voilà, de se dire, tiens, je vais marcher, puis en fait, il n'y aura jamais rien qui va arriver. Donc, c'est mieux dans ce sens-là, parce que quand il y a quelque chose qui arrive, et c'est mon cas, au bout du deuxième mois, eh bien, j'ai le pouce du pied droit qui va bouger de 1 mm. Avant ça, comment ça se passe ? On est bloqué sur un lit d'hôpital, on regarde le plafond, on ne peut pas bouger la tête, pas bouger les membres, rien du tout. Il y a le cerveau qui fonctionne, on est conscient, les pensées, une journée 24 heures, on dort peut-être un petit peu. Il reste 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures pour faire que penser. Alors, c'est comment ça ? Qu'est-ce qu'on fait là, j'entends ? Comment on... Alors, on devient pas complètement fou ? Je l'explique dans mon bouquin. En fait, moi, je suis batteur du groupe Clin d'œil à l'époque. En fait, je fais partie de 3 groupes de musique. T'as remarqué qu'avant le début de l'interview, j'ai mis Phil Collins. Ça c'est top. Ouais. Version que je connaissais pas du tout, version remix. Oui, parce qu'on est moderne ici. Moi, je suis plus années 70 quand même, au niveau musique. Non, c'est pas vrai. Mais oui, alors, quand t'es allongé comme ça, en fait, moi, le truc, c'est que même dès le moment où je suis à Bordeaux, quand on me met ces fameuses vis dans les tempes et tout, je dis, vous faites ce que vous voulez, mais moi, dans une semaine, il faut que je joue de la batterie. En Hollande. Alors, c'est expliqué dans le bouquin. En fait, on devait partir avec François, mon meilleur pote, le guitariste du groupe Clin d'œil. On devait partir en Hollande pour un stage musical. Stage musical à la fin duquel on enregistrait un 45 tours. Donc, faut se remettre à l'époque. Hein, on est en 1984. Le CD n'existe pas encore forcément, donc c'est le 45 tours. Et puis nous, c'est notre graal, quoi. C'est d'aller là-bas, de se faire une semaine de camp musical et puis de finir avec cet enregistrement avec d'autres musiciens. Et puis, moi, je suis à l'hôpital, pas conscient effectivement de tout ce qui m'arrive. Et je dis aux gens, vous faites ce que vous voulez, mais moi, dans une semaine, il faut que je sois en Hollande, il faut que je joue de la batterie. Et évidemment, tout le monde me dit, oui, mon coco, tu peux toujours causer, ça nous intéresse. Et voilà, et donc moi j'ai cette inconscience d'avoir toujours cette conscience-là, de dire, bah tiens, mon focus c'est ce qui va se passer en Hollande. Et puis la Hollande, j'y suis jamais allé, en tout cas pas pour le stage musical. Le 45 tours, c'est jamais enregistré, j'étais à l'hôpital, mais j'ai toujours eu cette motivation de remonter derrière ma batterie. Et ça a été, j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup Phil Collins, j'en parle passablement dans mon livre. C'est ce qui m'a motivé, c'était mon fil rouge en fait. Ma grande motivation c'était ça, c'était de remonter derrière ma batterie un jour. Et c'est ça, les longues heures que j'ai à attendre, à penser, je pense qu'à ça, c'est remonter derrière ma batterie. Et puis après quand on peut me pousser avec mon fauteuil roulant où j'ai... un appui-tête où je suis à moitié couché dans le fauteuil roulant parce que si je suis verticalisé, je tombe dans les pommes. On va me mettre derrière le top 50 puisqu'à l'époque, c'était le top 50 à la télé. Donc c'est ces choses-là. Je vais regarder ce qui se passe au niveau musique et puis avoir toujours cette immense motivation de remonter derrière ma batterie, de remonter sur scène avec le groupe Clin d'œil de l'époque. Quoi. C'est ça. C'est beaucoup ça, mes pensées.
Des Neuchâtelois, ce groupe. Oui, des Neuchâtelois. Ah oui, parce que Saint-Aubin, hein. Voilà, exactement. Tu viens de là, toi. Absolument. Faut le dire quand même. Même si maintenant, tu as gagné beaucoup d'argent, puis tu vis en France comme tous les gens riches qui s'exportent à l'étranger. Pas pris, ce sera Monaco et autres. Voilà. Oui, absolument. Non, mon enfance. Le canton de Neuchâtel, ben oui. Elle se passe du côté du canton de Neuchâtel, à Sauges, à côté de Saint-Aubin. Donc, entre Yverdon et Neuchâtel. Et je vais faire toutes mes classes là-bas. Et puis, c'est à l'âge de 13 ans que je m'achète ma première batterie. Je vais en autodidacte commencer la batterie, la musique. Et puis, assez vite, essayer de monter un groupe avec François, le guitariste, avec Greg à la basse et avec mon frère au clavier, Raphaël. Et voilà, donc on va faire de la musique assez vite. Et puis, on va assez vite avoir plein de petits succès par là autour. D'abord avec les fêtes scolaires de fin d'année, etc. Et puis... Avec les filles aussi. Avec les filles aussi, oui. Hein? C'est un bel apprentissage à l'époque. Il y avait un fans club. Absolument. Mmh. Oui, il y avait un petit fans club. Et puis, on a fait même plateau libre plusieurs fois. On a joué en première partie de Jean-Louis Aubert, en première partie du Beau Lac de Bâle à l'époque, etc. Donc, voilà. Et puis, tout à l'heure, en venant avec Marianne, on réécoutait le CD de Clin d'œil dans la voiture. Et, c'est comment, Marianne, ce CD? C'est bien cette musique. Très sympa, oui. C'est vrai? Oui, ouais, moi j'aime bien. Je suis fan, forcément. Oui, bah, évidemment. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire autrement. Tu n'as pas le choix. Hein. Raconte-moi un petit peu, comment tu l'as rencontré, ce jeune homme? Alors, moi, je l'ai rencontré à l'hôpital, pas parce que j'y travaillais, mais en visite, en fait. Moi, j'étais de Genève, et j'ai une amie qui le connaissait par la musique, justement, connaissait aussi ses parents, qui, elle, habitait côté de Neuchâtel, et qui m'a dit, écoute, il y a un Neuchâtelois qui est mal en point à l'hôpital à Genève, il n'a peut-être pas trop de visites, il n'est pas très proche de chez lui, va le voir. Donc voilà, on est venu avec quelques amis lui rendre visite. Et puis ça a débuté comme ça. Donc on l'a découvert dans son fauteuil, mais il marchait, il commençait déjà à remarcher quand on l'a connu. Mais voilà, on a fait des petits groupes de copines pour aller le visiter à tour de rôle, pour qu'il ne soit pas trop seul, bien qu'il avait finalement beaucoup de visites. Hein. Il avait vraiment du monde qui s'est mobilisé pour venir le voir. À l'hôpital, même des gens qui venaient de loin. Donc, voilà. Fais juste un aparté sur les visites, Marcole. C'est important, c'est un soutien, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, pas seulement la famille, mais aussi dans un cercle un peu plus éloigné. C'est un moteur, c'est un gros moteur, ça, parce que faut savoir que venant de Neuchâtel, étant perdu au bout du lac Léman à Genève, évidemment que je connaissais personne là-bas et personne pouvait me connaître. Mais ma maman va tenir un agenda. En fait, elle va faire, avant même l'existence des tableaux Excel, elle va faire un tableau Excel avec l'agenda des visites. Et puis en se disant, voilà, il y a des gens qui veulent venir le voir. Il y a des gens qui sont prêts à faire 150 km pour venir me voir à l'hôpital. Pas par mauvaise curiosité, mais vraiment comme soutien. Et puis, elle va tenir un agenda pour que j'aie, si possible, des visites tous les jours, puis pas qu'il y ait tout le monde qui arrive en même temps. Et donc, elle va se débrouiller avec ça. Et ça va être, là aussi, pareil, un moteur extraordinaire parce que le fait d'avoir des visites, ben, ça change les idées, forcément. On n'est pas tout le temps en train de repenser aux mêmes choses. Et puis c'est un bel exutoire sur ce moment, à ce moment-là, évidemment. Et puis, effectivement, comme Marianne vient de le raconter, tout d'un coup, il y a une fille qui me connaissait parce que je jouais de la musique, qui contacte ma maman, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a 5 genevoises qui viennent me voir. Et moi, je me souviens très bien de ce moment-là, puisque... La collusion d'agenda. Ouais. Hein, y a aussi autre chose, oui. Ben raconte ça, Playboy. Ben. Ouais. Oh, Playboy, à l'époque. Ouais, à l'époque. Allez. Ben oui, effectivement, à l'époque, comme je jouais de la musique, donc j'étais un petit peu connu. Et puis, comme tu disais, les filles, ça tournait un petit peu autour. Donc, il se trouvait que du côté du... bord du lac de Neuchâtel, du côté de Saint-Aubin, j'avais une de mes bonnes amies, ma copine de Saint-Aubin, on va dire. Et à ce moment-là, mes parents avaient aussi une petite maison dans le Val de Travers, résidence secondaire, dans laquelle on bricolait et puis dans laquelle on travaillait pour mettre de l'isolation, des parquets, etc.
Et puis bah, là aussi, j'avais une copine. Donc c'était un peu, c'était agréable hein, pour moi à l'époque. Alors, comme les marins, une dans chaque port ou bien Un petit peu la honte. Mais bon, maintenant j'en parle, il y a prescription. Ouais. Bon, tu étais une vedette du rock à ce moment-là. Donc, donc voilà, donc, j'avais une petite copine du côté du Valet Travers pour les week-ends. Et puis une la semaine du côté de Saint-Aubin, au bord du lac de Neuchâtel. Et puis avec, pour ma part, aucune chance qu'elles se rencontrent et qu'elles se connaissent. Sauf que l'accident est arrivé. Et que ben, j'étais hospitalisé, j'étais donc à Genève, et puis que malgré l'agenda que ma maman tenait des visites, eh bien, il y a un jour où ces deux copines se sont trouvées de chaque côté de mon lit. C'est-à-dire qu'il y en a une officiellement qui était dans le planning, puis une qui est venue de manière impromptue, sans passer par maman, donc l'organisation. Exactement. Donc les deux au même moment, au même endroit. C'était, voilà. C'était chaud patate, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a une que je savais qu'elle allait venir avec mon oncle. Ouais. Et puis, covoiturage oblige. Ouais. Et puis l'autre, je ne savais pas, qui a débarqué 30 minutes avant, par elle-même, venue en train pour faire une belle surprise. Alors, tu parles d'une belle surprise. Donc là, j'ai Transpiré un peu, là ? Oui, je crois que j'ai, sans connaître le malaise imaginaire de Molière, je crois que je l'ai joué à moi tout seul. Ce jour-là, j'ai vraiment exagéré mon cas de personne en situation de handicap au fond d'un lit. Et j'avais 30 minutes chrono en main pour... Essayer de la faire partir, quoi. Pour essayer de la faire partir. Pour qu'elles se croisent et non pas se collusionnent l'une dans l'autre. Voilà. Hein. Et ben, ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché. Elle est restée là. Et donc, elle a découvert le poteau rose, et y compris l'autre quand elle est arrivée avec mon oncle. Donc, ce jour-là, ben, de deux copines, je suis passé à zéro copine. Ce qui peut tout à fait se comprendre, évidemment. Dis donc, Marianne, c'est un séducteur, ce garçon. Ah oui, puis il n'a pas changé. Ouais, c'est vrai, toujours là. Ah, toujours, oui, ah, toujours. Bah. Qu'est-ce qui est clair comme ça ? C'est quoi le soleil qui attire un peu, qui aimante ? Je crois qu'il a énormément d'empathie pour les autres, Marcole. Bon, je dis Marcole parce que tout le monde l'appelle comme ça. Ça, c'est le stempel familial. Dans le cadre familial, on dit Marcole. Ouais, voilà, oui. Et oui, il a beaucoup d'empathie, il a une grande écoute de l'autre. Et je pense que les gens le sentent. Il a pas mal d'aura aussi. Donc les gens viennent volontiers vers lui, parler avec lui, raconter leurs histoires, leurs soucis. Et c'est vrai qu'il prend beaucoup de ce que les autres lui donnent. L'histoire d'amour, elle a commencé comment ? Parce que là, il est dans un lit. Enfin bon, il commence un petit peu à... Voilà, mais disons que voilà. Il n'est peut-être pas au plus sexy du top de sa forme. Pas tellement, de ce côté-là, voilà. Très bien. Puis je pense qu'à Genève, il y a aussi d'autres beaux garçons. Oui, hein, bien voilà, sûr. Très bien. Comment ça commence, là, les sentiments et tout ça ? Qu'est-ce qui a fait que... Gentiment, en fait. Est-ce qu'il t'a pas promis de te jouer de la batterie ? Il dira, si tu restes avec moi, je vais te jouer un solo de batterie. Je te ferai une chanson. Oui, ouais, exactement, non, tu rien, verras. Rien tu de tout ça. Tu seras ma muse. D'autant plus que son style musical de l'époque, ce n'est pas le mien du tout. Oui, voilà, moi je faisais le piano classique, donc on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. D'accord. Non, c'est venu gentiment, petit à petit. Les choses se sont faites petit à petit. En fait, on l'a vu à l'hôpital. Ensuite, il est parti, il est rentré chez lui parce que ça allait bien. Enfin, il continuait tout ce qui était physio chez lui, pardon. Mais il devait venir de temps en temps faire des contrôles sur Genève. Donc voilà, de temps en temps. Et quand il venait Il logeait chez l'une ou l'autre. Et puis, en fait... à force de temps, au fil des téléphones et tout, petit à petit, je pense que les liens se sont créés. Il venait toujours chez la même quand il devait venir sur Genève. Donc voilà, c'est vrai qu'on passait un peu de temps au téléphone. Mes sœurs rouspétaient parfois. Mais voilà, surtout qu'on n'avait pas... Qu'est-ce qu'on t'a dit à toi ? Je ne sais pas, les copines, par exemple. Qu'est-ce qu'elles te disaient ? Par rapport à... Un peu folle, ouais, je ne sais pas, dans l'état où il est ou genre... Non, c'est non, pas... Non, je n'ai jamais... J'ai toujours bienveillant, genre, toujours. Ouais, jamais eu une remarque de ce côté-là, non, parce que bah, voilà, Marcole séducteur, il plaisait à toutes les filles, hein, les copines. Quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, finalement. Voilà, exactement. D'accord. Il donne aussi beaucoup de tendresse tout le temps, donc il est très tactile, donc voilà, les filles, elles aiment ça. D'accord. Et puis, tu as accompagné ses progrès, tu as vu ça, c'était quoi ton sentiment à ce moment-là ? Tu disais que peut-être qu'un jour il remarcherait ou peut-être ou pas vraiment ou enfin, oui alors c'était quoi je savais qu'il remarchait parce que quand je l'ai connu il recommençait à marcher ouais, donc voilà et là c'était bon en fait et puis je savais que ça irait de mieux en mieux et je me suis jamais posé plus de questions que ça en fait c'était lui quoi. Il était là comme ça
Finalement, il était sur ses jambes et tout allait bien. Je ne me suis pas posé plus de questions. Donc, toujours des progrès, toujours mieux, toujours. Mmh. Voilà, tu as connu cette période-là, on va dire. Voilà. Ouais, jusqu'à, petit à petit. Voilà. Ouais. C'est extraordinaire qu'à un moment donné, il n'y ait plus ce fauteuil. Ah bah, on n'est plus dans ce fauteuil et tout. C'est... Bah, bien sûr. Hein, ouais. C'est, fauteuil, ce n'est pas rien. Hein, c'est une dépendance. Donc, c'est vrai que ne pas l'avoir, c'est quand même un énorme privilège. C'est un énorme cadeau. Quelle qualité il faut avoir pour accompagner un homme dans une épreuve de vie comme ça? Alors moi, je l'ai accompagné, mais on vivait loin l'un de l'autre, enfin quelques centaines de 150 kilomètres, on n'était pas en permanence ensemble, donc on était amoureux, donc voilà, on réfléchit pas, on était à fond, il fallait qu'on se voie le week-end, on se téléphonait tout le temps. Donc ça m'a paru naturel, j'avais pas l'impression qu'il fallait être moi, autre que moi, quoi. J'étais comme j'étais, c'est tout. Oui. Marianne, pour toi, alors, dans ce moment-là, dans cette période-là, dans cette... C'est une quête du Graal aussi, parce qu'elle n'a pas été évidente à séduire. Elle aimait la bonne musique, elle. Oui, voilà, c'est ça. Le rock, c'était compliqué pour elle. Phil Collins, je pense qu'avant qu'elle me connaisse, elle ne savait pas qui c'était. Mais oui, voilà, c'est... Non, ça n'a pas été si... Mais c'est peut-être parce qu'elle m'a résisté que ça a été encore plus beau, je pense, parce que... Alors là, ça fait vraiment... T'avais pas trop l'habitude qu'on te résiste. Quand je dis ça fait vraiment le gros plaisir. Oui, ça fait, exactement. Si t'as besoin de leçons, Phil, je te... Puis s'il y a des jeunes filles dans le canton de Neuchâtel qui disent « Ah oui, c'était lui, salopard, on s'en souvient. » C'est clair. Le cœur brisé, là. Le briseur de cœur, voilà. Ouais. Non, ça fait un peu vraiment gros macho, là. Mais non, c'est vrai que ça a été... ça n'a pas été évident, mais justement, c'est parce que c'était pas évident... Que c'était encore plus beau. Et puis, quelle qualité elle avait, elle a toujours, pour cet accompagnement-là, pour être celle qui est à tes côtés, qui a été... Alors, je pense que c'était... elle l'est un peu moins, mais c'était une jeune femme réservée, très réservée, fort belle. Elle l'est toujours, belle. Elle l'est un peu moins réservée, maintenant elle ose un peu dire... Elle parle dans un micro, comme voilà. Ça, tout, voilà, elle dit à la radio et tout. Surtout qu'elle ne s'y attendait pas. Voilà. Et du coup, c'est un peu mon penchant dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'en fais beaucoup, beaucoup trop, d'après elle. J'ai des journées qui commencent à 5h du matin, qui finissent après 23h. Et entre le boulot à 100% et puis une assoce qui me prend un deuxième boulot à 100% en tant que bénévole. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi un petit peu de la vie de famille, même si nos enfants sont hors du nid depuis quelques années maintenant. Mais il y a beaucoup. Et puis elle est un petit peu le côté sage que je n'ai pas. Ça complète bien. Voilà. Ça complète bien finalement. Oui, un bon équilibre. Hein. Ouais, on se complète bien. Ouais, il faut ce côté-là, c'est sûr. Parce que sans ça, moi, je crois que je. En fait, il me faudrait moi des journées de 48 heures pour bien faire et arriver à tout faire ce que j'aimerais faire. Mais je pense que de ton côté, Phil, ça doit être la même chose avec ta radio. Si on peut trouver des heures supplémentaires, je suis aussi preneur. Ou bien ça sépare complètement, ou ça ne commence jamais une histoire, ou bien alors ça la soude d'une manière magnifique. Marianne ? Oui, alors je pense qu'effectivement... Ça, on peut dire ça, que voilà, il n'y a pas de... Il y a quelque chose de particulier dû aussi à cet accident, à notre rencontre qui était vraiment improbable. Donc ça a créé quelque chose de très spécial, oui, certainement. Et puis on se connaît bien parce que on a vécu quand même ces choses un peu ensemble, une partie en tout cas. Donc je pense que ça crée des sentiments vraiment profonds. Oui, on a vécu vraiment des choses hors du commun, hein. C'est moins qu'on puisse dire de ce côté-là. Ouais. Que... Ça relativise aussi les choses de la vie, les problèmes de la vie, les tracas de la vie. Quand on a, tout d'un coup, il y a une facture qui arrive, disons qu'on en fait moins un drame que quand on a que ça à s'occuper dans sa vie. Ça relativise un peu les choses. L'importance des choses dans la vie. Mmh. Et le fait aussi du carpe diem, c'est-à-dire de vivre l'instant présent, d'être conscient de ce qui se passe et puis de se dire que tout d'un coup, une vie peut basculer, ça peut s'arrêter ou ça peut se modifier. Oui, bien sûr, on est bien plus conscient de tout ça.
Alors Marcol l'est particulièrement parce que justement lui, alors ce serait à 200% qui veut vivre, donc, donc il faut de temps en temps calmer le jeu un peu. Mais oui, oui, c'est ça, profiter de l'instant présent, apprécier tout ce qu'on a sous les yeux, sous la main, ne serait-ce qu'un beau soleil, pas comme aujourd'hui, mais voilà, un oiseau qui chante tout simplement dans le jardin, toutes ces petites choses auxquelles parfois on a peut-être tendance à passer à côté. Mais quand on se dit qu'on pourrait avoir tout perdu en une seconde, oui, on relativise beaucoup après ce genre de vécu. Ouais. Ça crée une boulimie de la vie. Dans ton cas. Oui, je pense que aujourd'hui, au quotidien, encore aujourd'hui et demain, franchement, Tout le temps. Tout le temps au grand dame de Marianne qui, elle, a vraiment plus les pieds sur terre que moi de ce côté-là, parce que c'est vrai que. Oui, comme elle le dit, je crois que j'en fais des fois beaucoup trop. Mais en même temps, moi je suis effectivement, comme tu le dis, boulimique de la vie. Mais tu as une raison. Enfin, je veux dire, t'as une raison. Il y a un moteur. Moi, je sais, je peux vraiment dire que je sais quel est le coût de la vie. Hein, puisque de passer de 100% paralysé à finalement être debout au jour d'aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme ça en un claquement de doigts. Hein, ça s'est passé sur une année complète. Puis c'était millimètre par millimètre. Donc maintenant, effectivement, depuis ce moment-là, je peux le dire, je bouffe la vie à pleines dents et par les deux bouts, hein, si je puis me permettre. Mais c'est qu'à fond tout le temps. Et puis je sais, justement, je sais le prix de la vie et je me dis que les personnes en situation de handicap qui sont membres de qui fait quoi ou qui ne sont pas membres d'autres assos ou qui sont simplement dans la vie au quotidien, je sais un peu leur galère, enfin surtout leur handicap physique, puisque je l'étais personnellement. Et je me dis, si on peut faire quelque chose qui leur donne le smile, l'espace d'un soir, d'une journée, d'un week-end ou d'une semaine, d'une activité hors du commun qu'on peut leur proposer avec qui fait quoi, par exemple, eh bien, let's go, quoi. Juste, s'il y en a une parmi toutes ces personnes-là qui a déjà le sourire, c'est mission accomplie. Donc s'il y en a plusieurs, c'est encore mieux. On écoute une chanson. Oui. Le titre pour un ami. C'est quoi cet album? C'est quoi cette chanson? C'est quoi, raconte-moi. Alors, clin d'œil, la caméra qui est face à moi. Oui, absolument. Donc ça, c'est la pochette du CD de l'époque. Donc, personnellement, je ne suis plus batteur à l'époque de Clin d'œil, mais ces morceaux... Parce qu'ils voulaient réussir quand même, à un moment donné. À un moment donné, ils sont... Ils ont élevé le niveau, puis ils se sont dit, on peut pas... Ouais. Non, mais ils se sont surtout dit qu'avec un batteur qui allait tous les week-ends à Genève, il y a un moment donné où ils ne pouvaient pas faire des répétitions, des concerts, puis en même temps être à Genève pour l'amour de ma vie. Et du coup, ça s'est naturellement fait. C'est-à-dire que aussi, moi, pendant que j'étais pendant une année paralysé, il y a un batteur, Vincent, qui a un petit peu pris le relais et puis qui était nettement meilleur que moi, puisque lui, il avait fait des écoles, il avait appris, il n'était pas en autodidacte, nettement meilleur technicien que moi. Mais sur le CD qui est sorti, je l'ai vu tout à l'heure, en 1991, je ne me souvenais même plus, les 12 morceaux, je pense qu'il y en a une dizaine que je jouais déjà à l'époque. Et puis, il y en a qu'on était très content de réécouter tout à l'heure dans la voiture en venant vers toi, Phil. Et puis, il y en a un pour un ami. Il est particulier parce que j'aime bien le texte aussi, la musique évidemment, puisque celui-là je le jouais. Mais surtout, il a un double sens aujourd'hui, en 2018, c'est que pour la petite histoire, donc. Je me suis remis derrière la batterie, évidemment, après mon accident. Je me suis remis avec Clin d'œil. Et puis, à un moment donné, avec l'amour, je suis parti sur Genève et ils m'ont remplacé. Mais le groupe a toujours existé. Il a eu plus de 10 ans d'existence. Et puis, notre fils, on a donc une fille et un fils. Notre fils s'est marié cet automne. Et il s'est trouvé que dans les invités du mariage, il y en avait 3 sur les 4 du groupe Clin d'œil qui étaient là. C'est-à-dire le bassiste, Greg. Le clavier, mon frère, Raphaël, et puis moi-même à la batterie. Et le bassiste, qui est semi-professionnel, qui joue toujours depuis des années, qui est excellent, me contacte en me disant « Écoute, on est 3 du groupe Clin d'œil, hommage de ton fils, on remonte un truc, quoi. » Et je dis « Mais attends, moi, ça fait 17 ans que je n'ai pas rejoué de la batterie, de par toutes les activités que je fais autour, pas le temps. »
Il me dit, c'est comme le vélo, ça se perd pas, etc. Bah, tu parles. Donc cet été, en même temps que j'écris le livre avec Adélita Genoux et que je reparle de ce fil rouge qui était la batterie, de clin d'œil, etc., en même temps, physiquement, je me remets derrière la batterie en cachette et en secret pour pas que mon fils le sache, pour le jour de son mariage. Et on fait une répétition, trois des quatre musicos, on se retrouve exactement le week-end avant le mariage et ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas rejoué ensemble. Donc, grosse émotion, puisque moi, je suis en train de finaliser l'écriture du livre, avec voilà, tous ces moments-là, et puis physiquement, derrière la batterie, puis physiquement, de nouveau, avec les trois quarts du groupe Clin d'œil, on va dire, plus de 30 ans après. Donc, grosse émotion. Et puis, pour un ami, eh ben, on l'a joué au mariage de notre fils Florian. Donc, voilà, ça me fait plaisir que les auditeurs de Radio People l'écoute. Ta voix qui dit plus que tu crois, crier pour cet espoir.
clin d'œil dans toute sa splendeur. Magnifique. Ou bien, merci. Marianne, alors, qu'est-ce que ça fait quand on écoute ça comme ça? Ça rappelle de bons souvenirs, c'est sympa. C'est vrai que c'est, j'aime bien cette chanson aussi, très belle. Puis c'est chouette, ça n'a pas vraiment, c'est en cours d'actualité, la bonne chanson. Hein. Ça n'a pas trop vieilli, alors, mal vieilli. Ouais. Bah ouais. Très honnêtement, on n'est pas neutre du tout, mais c'est vrai que dans la voiture, en écoutant, on se disait, bah, finalement, ça n'a pas trop vieilli. Non, mais le son, voilà, ça n'a pas mal vieilli du tout. Le son je prendrai quelques chansons et puis je mettrai dans la programmation. Ah, mais alors, avec grand plaisir. Parce que j'ai une émission qui s'appelle Nos artistes ont du talent, entre 17h et 18h tous les jours. Ah bah sur écoute, Radio People. Alors, volontiers, tu peux prendre tout ce que tu veux et je te donnerai mes titres préférés. Marc-Olivier Perrotti, dans la libre antenne de Radio People. À 17 ans, cet accident, et parle-moi de tes parents et parle-moi de ton frère dans cet accompagnement. Alors, mes parents, ils me rejoignent à Bordeaux le moment où je suis opéré. Ils vont vivre ces 15 jours de... Voilà, première semaine de soins intensifs, puis ensuite semaine en chambre privée. Là, dans cette chambre privée, ils vont avoir un lit à côté de moi. Et puis, ils vont à tour de rôle chaque nuit se relayer pour être à mon chevet. Parce que, évidemment, avec les problèmes respiratoires que j'ai, je fais des moments d'apnée. C'est très. Voilà, c'est compliqué. Et puis, ils ont l'ordre. Alors, ça arrange évidemment le monde médical à l'époque, parce que le fait d'avoir une surveillance H24 à côté et qu'il y ait de la famille, c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir une infirmière tout le temps dédiée à Monsieur Marcol. Donc, c'est mes parents qui vont se relayer. Et puis, les nuits vont être très compliquées à ce moment-là pour eux, moi moins, parce que je vais enfin pouvoir dormir. Et puis, mais avec les moments d'apnée, ils ont les instructions qu'ils doivent compter jusqu'à 30. Et puis, si à 30, je n'ai pas pris de respiration, ils doivent venir me secouer pour que la respiration se fasse. Et donc, c'est eux qui ne vont plus respirer ces nuits-là. Et évidemment, ils vont être à tour de rôle, puisque c'est eux qui vont à tour de rôle faire des nuits blanches à côté de moi, ce pendant la semaine avant d'être transférés Genève. Pardon. Et puis à Genève, là, ça va être, on va dire, la coupure, puisque là, je vais être coupé de mes parents. Je vais être vraiment 100% dans ce monde hospitalier. On va me refaire toute une batterie de tests que je ne comprendrai pas à l'époque, parce qu'on m'a déjà fait toute une batterie de tests à Bordeaux. Et puis, pourquoi recommencer tout alors que le dossier médical a suivi? Mais bon, voilà, c'est des choses que je ne comprends pas à l'époque et puis qui sont nécessaires dans le monde médical. Et puis, mes parents, ils vont me soutenir, ils vont m'appeler tous les jours, ils vont venir tous les week-ends. Un ami de la famille d'Yvalin, donc le médecin, et de François, va leur prêter un petit logement du côté du Bachet-Pezet à Genève. Et puis, le week-end, ils pourront aller dans ce petit logement et puis venir me voir. Le maximum d'heures qu'ils ont le droit, ils vont le faire. Ils vont être toujours à mes côtés. Et mon frère ne sera pas là. Au début, il ne sera pas là parce que il va avoir, je crois, une rougeole à l'époque. Et puis, pour éviter de m'en rajouter une couche, il aura interdiction de venir me voir jusqu'à qu'il soit... on va dire, moins radioactif. et donc, lui, il va me voir, ce sera un mois après mon accident. Et donc, un mois après mon accident, il faut s'imaginer que quand on est 100% paralysé, c'est comme si tu es dans un plâtre de la tête aux pieds. Donc, quand tu as ton bras dans le plâtre, quand on enlève le plâtre, ton bras, il est tout maigre parce que les muscles, ils ont fondu. Et bien là, c'est le corps en entier, de la tête aux pieds, qui fond, musculairement parlant. Et donc, je vais passer. Donc, je faisais 1m77 comme je fais au jour d'aujourd'hui. J'ai arrêté de grandir à l'âge de 17 ans à cause de mon accident. Heureusement, j'étais pas petit. Mais et je faisais 67 kilos avant mon accident. Au moment où mon frère vient me voir, je fais 48 kilos. Donc, la fonte musculaire, elle est de pratiquement 20 kilos. Donc, pour 1m77, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, ça fait vraiment rachitique. C'est un choc, quoi. C'est un choc pour lui. C'est un choc. Et donc, lui, il va arriver. Ça fait un mois qu'il a des news comme il peut. Et puis, il va me voir. Et là, au moment où il arrive, il va tomber dans les pommes. Il va tomber dans les pommes et il va se réveiller dans un lit à côté de mon lit. Et c'est comme ça que le retour du frangin se passe. Donc, c'est vrai que c'était pas les meilleures conditions pour lui. Mais voilà, ça a été un véritable choc, évidemment émotionnel, pour un ado comme lui, puisqu'on a 14 mois de différence, il est 14 mois plus jeune que moi. Même si physiquement, au jour d'aujourd'hui, il fait beaucoup plus vieux que moi, c'est vrai. Petite dédicace à toi, Raph.
Donc voilà, c'est sa première rencontre, un mois après mon accident. Et puis après, dès qu'il pourra, évidemment, il va venir avec mes parents. Ce sera le week-end, puisqu'il y a l'école, et il y a les études. Et voilà, il y a les choses qui continuent pour tout le monde autour de moi. Et moi, je dois me battre avec mon corps, avec mes muscles qui doivent essayer un jour de refonctionner, etc., etc. Dans ton enfance, il y a aussi eu un grand-père qui a eu une place particulière. Oui, mon grand-père. Alors, mes deux grands-pères, on va dire le grand-père maternel, puisqu'il était forgeron, maréchal Ferrand, et puis le grand-père paternel, alors où j'ai un peu plus de contact avec, parce que je vais passer toutes mes vacances d'été d'enfance là-bas, c'est au Val de Travers, justement. Il est concierge d'une propriété, il est autodidacte, il va s'occuper de la propriété, de la forêt, du jardin potager, du bassin, du petit jet d'eau, de la ferme, des animaux qui vont autour, du manège à chevaux, etc. Et voilà, ce sera une enfance qui est dans une ambiance dorée, quelque part, au niveau des vacances scolaires, parce que je suis le petit-fils du concierge de cette propriété. Et puis, je vais pouvoir aussi avoir la possibilité de jouer avec les petits-fils de cette propriété. Mais comme mon grand-père paternel est très autodidacte et très bricoleur, je vais apprendre et je vais apprécier à bricoler à ses côtés. Alors ce, jusqu'à l'âge de 9 ans, puisque c'est à cet âge-là que ce grand-père va décéder. Mais j'ai des très très bons souvenirs, campagne et bricolage avec lui. Après, je retournerai toujours dans cette propriété l'été en vacances, mais avec plus le grand-père paternel, puisqu'il est décédé. Mais oui, j'ai appris beaucoup à faire avec les mains, à bricoler. Je pense que mon amour du bricolage et de faire plein de choses avec mes mains, c'est à ce moment-là. C'est grâce à mon grand-père paternel. Sur ta veste, il y a un K en bleu avec un rond orange. L'association qui fait quoi ? Raconte-moi cette histoire-là. Alors, qui fait quoi ? Le K, voilà, c'est une partie du logo de qui fait quoi qui est dans mon dos, mais je ne vais pas me retourner parce qu'on ne va pas m'entendre. Qui fait quoi ? Qui s'écrit K-Y-F-E accent aigu K-O-I, qui est une association franco-suisse. Parce que j'aime à dire que dans le monde du handicap, il n'y a pas de frontières. Quand on est une personne, peu importe la couleur, peu importe la nationalité, quand on est une personne en situation de handicap, on est dans la mouise. Donc la nationalité frontière n'existe plus. Et puis comme Marianne et moi, on a la chance d'être franco-suisse. Donc comme tu l'as dit au tout début d'émission, j'ai effectivement fait mes écoles côté de Châtel, etc. Et puis après, j'ai été au bout du lac Léman et puis finalement en France voisine dans la Haute-Savoie ou dans la Haute-Savoie comme on dit par chez nous. Et donc voilà, je suis franco-suisse grâce à cela. Et puis donc qui fait quoi est franco-suisse aussi. On a un siège du côté de Reignieserie qui est pas loin de Annemasse en Haute-Savoie. Et puis on a un siège du côté de Schenbourg, donc à côté de Genève. Et puis cette assoce, c'est notre bébé à Marianne et à moi, puisqu'on a fait partie, personnellement je fais partie du monde associatif en rapport avec le monde du handicap depuis plus de 25 ans. Donc c'est à peu près dans les premiers 10 ans après mon accident que je me suis mis dans le monde associatif en rapport avec le monde du handicap. C'était une envie, un désir, j'avais besoin de garder ce contact-là. Et puis il y a quelques années, il y a 7 ans exactement, on a mis en place Qui fait quoi. Qui fait quoi, ça a été d'abord, on l'a mis en place pour un premier projet qui était d'emmener des personnes en situation de handicap au Maroc en 2013. Deux semaines d'aventure humaine et humanitaire, 31 personnes, 11 en situation de handicap, 20 accompagnants, et puis on est parti là-bas. Ça a mis 2 ans de préparation, donc on a démarré ça. En 2011, on a démarré, donc qui fait quoi en 2011, même on va dire le catalyseur de tout ça, c'est en 2010 que ça commence. Et puis on met en place tout ça, Marianne et moi, et puis en 2013, cette aventure peut se passer, c'est octobre 2013. On part au Maroc, on amène du matériel à des adultes en situation de handicap, justement des fauteuils roulants qu'on a récupérés ici à droite à gauche, d'occasion mais fonctionnels, et que là-bas ils n'ont même pas la chance d'avoir. Donc, très grosse aventure qui nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On a fait naître qui fait quoi pour cette aventure qui, entre guillemets, devait être un one shot.
Et puis, il y a tellement de monde qui ont gravité autour de ça pour la mettre en place, cette aventure. Il n'y en a que 31 personnes qui ont pu bénéficier, on va dire, de cette belle aventure. Mais il y avait tout un groupe autour de ça qui poussait ça en avant. Et au retour, personne n'a voulu que qui fait quoi cesse. Et bien, qui fait quoi continuer. Et au jour d'aujourd'hui, on a une vingtaine d'activités par année qui sont, j'aime bien dire, plutôt hors du commun, c'est-à-dire pas forcément la sortie cinéma. Mais on a pu monter notamment à côté d'un pilote de circuit sur glace, notamment le trophée Andros, des choses comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose de complètement hors du commun. On a eu aussi atelier découverte du monde de la parfumerie, donc avec un créateur de parfum, et puis chacun a pu créer son propre parfum après avoir connu un petit peu, survolé les différentes familles des odeurs. Voilà, des choses comme ça qui sont des choses un petit peu hors du commun qu'on a la chance de pouvoir faire au sein de Qui fait quoi. L'handicap, il y a Claudio Alessi qui est sur Genève avec l'association No Difference. Hein, handicap, it's not handicap. Oui, hein, tout ouais, à fait. Voilà, parce que voilà. Donc, ouais. Ça veut dire que la vie, elle mérite, elle vaut d'être vécue, peu importe ce qui nous frappe, ce qui nous touche, ce qui fait. Voilà, je veux dire, il faut aimer la vie, puis l'aimer même si. Oui, tout à fait. Bah, Claudio Alessi, c'est un très très bon copain. On se connaît depuis des années. Lui, président de Nous Différences, moi, président de Qui fait quoi. On se côtoie souvent, on se croise plusieurs fois dans l'année, mais on se croise notamment une belle fois. C'est la fois où ça se passe au Cirque CNI, au mois de septembre, sur Genève. En général, c'est le lundi au milieu du séjour du Cirque CNI à Genève. Et puis, le lundi soir, eh bien, c'est la soirée en faveur de Nos Différences. Parce que Franco CNI est parrain aussi de l'association, donc invite. Exactement. Voilà. Et puis c'est tout en faveur de Nos Différences. Et puis, alors là, voilà, c'est une sortie obligatoire pour Qui fait quoi, parce que si on a une sortie cirque à faire dans l'année, c'est ce soir-là, parce que c'est en faveur d'une association, l'association sœur de Qui fait quoi, qui est Nos Différences. Et puis, on a même des membres de Qui fait quoi qui sont membres de Nos Différences, et puis même certains membres de Nos Différences qui font partie de Qui fait quoi, qui sont sur la piste du cirque ce soir-là. Donc voilà, un doux mélange et un beau mélange. Et comme moi, j'aime à dire toujours, c'est que dans le monde du handicap, les associations, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on est complémentaires. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas une assos qui fait quelque chose de mieux qu'une autre. Chaque assos a sa personnalité, a ses activités, et on est complémentaires. Et plus il y a d'assos pour les personnes en situation de handicap, plus ils ont un panel d'activités possibles autour d'eux. Voilà, beau panel d'activités, belles choses à faire et à voir. Et qui fait quoi ? On fait partie, on est une assos parmi pas mal d'autres aussi, donc on n'est pas la seule. Qui fait quoi ? C'est environ 140 membres au jour d'aujourd'hui, 40 en situation de handicap, le reste c'est monsieur, madame, tout le monde qui nous soutiennent ou qui viennent, qui sont actifs. Et puis dans les 40 personnes en situation de handicap, on a un peu de tout, on a du type paraplégique, tétraplégique, sclérose en plaques, trauma crânien, malvoyant, non-voyant, bipolaire, j'en oublie, Marianne ? Je crois que j'ai tout dit. On a à peu près faire le tour. Quelle leçon de vie on retire, Marianne, avec ses enfants, avec ses adultes qui sont en situation de handicap, et quand on est valide, quand on a la chance d'être bien portant et qu'on s'en occupe, on fait des choses avec eux, on fait des choses pour eux. Qu'est-ce qu'on en retire comme leçon de vie ? Alors, on reçoit déjà beaucoup parce qu'on a l'impression que nous, on donne parce qu'on va organiser des sorties, des animations. Donc, on donne de notre temps, notre énergie, mais en fait, on reçoit énormément. Donc, pour nous, c'est tout du cadeau parce qu'on les voit heureux. On a des échanges magnifiques. Donc, ça, c'est déjà important. Aller vers l'autre, même s'il est différent, on va donner, oui, mais on va aussi énormément recevoir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de transmettre aussi à nos enfants, d'être aussi une idée de tolérance, de pas avoir peur de l'autre qui n'est pas pareil, que ce soit par handicap ou par la couleur de peau ou la religion, je ne sais pas, que ce soit dans tous les domaines. Donc ça, c'est, je pense qu'on a été peut-être aussi assez touchés par ça, tous les deux, et on a essayé de le transmettre à nos enfants, ouvrir un maximum notre vision de la vie, notre vision de l'autre, pour aller plus vers l'autre, quel qu'il soit, quoi. Il y a les personnes en situation de handicap, il y a les personnes qui sont valides, mais qui s'occupent des personnes en situation de handicap ou qui les côtoient.
Et puis il y a le grand public qui n'est pas touché directement, qui n'a pas un membre de la famille qui est en situation de handicap. Et des fois, on a un peu de peine à faire communiquer ou échanger les personnes ou vers les, parce qu'on se dit, oh, tiens, une personne qui est dans une chaise roulante, bonjour, comment ça va? Ah non, faut pas demander comment ça va, parce que forcément, si on est en chaise roulante, ça peut pas bien aller. Donc, ces choses-là, comment on pourrait, faire que le pont soit un peu plus large, un peu plus grand, puis un peu plus court entre le monde des gens qui se portent bien, heureusement, et tant mieux pour eux, et puis qui n'ont pas de problème ni dans leur famille, ni avec leur entourage. Et puis, le fait de dire, d'échanger, de communiquer un peu plus avec ce monde du handicap, d'en avoir moins peur. Bah, c'est ça, effectivement, on a toujours peur, on a peur de blesser quand on ne connaît pas trop, on a peur de faire du mal, de dire un mot de travers qui serait mal interprété. Mais en fait, je pense que le mieux, c'est d'être soi-même et puis de considérer toutes ces personnes-là comme des personnes. Ce n'est pas parce qu'on est dans un fauteuil qu'on n'a pas sa tête, qu'on n'est pas capable de commander un repas au restaurant ou je ne sais quoi, de s'adresser à elles en tant que personne, naturellement. Sans réfléchir à, oh là là, attention, je vais pas dire ça, mais je vais dire ça, voilà. Et puis ils ont aussi beaucoup d'humour, hein, en général, on peut facilement, et aussi sur eux-mêmes, par rapport à leur condition, et sur eux-mêmes, ouais. Facilement moi j'en ai reçu quelques-uns ici, ouais. Aussi enfin voilà, et puis donc voilà, rester naturel, simple, et puis dire les choses clairement et pas avoir peur de dire comment tu vas, parce que même s'il est en fauteuil, il ira peut-être très bien. C'est pas parce qu'il est en fauteuil que la personne va mal. Il y a des jours où ça va moins bien, mais nous, valides, on a aussi des jours où ça va moins bien. Donc on a aussi des fois, quand on nous demande comment tu vas, de dire aujourd'hui ça va pas du tout. Puis on le fait pas. Donc voilà, ce sont des personnes, et puis faut les aborder de la même manière qu'on aborde n'importe qui, en restant soi-même, je pense. Ça t'a permis de te réaliser aussi, toi? Oui, bien sûr. Ah oui, je pense que ça nous fait grandir. Hein. C'est des expériences qui nous font grandir, qui nous apprennent plein de choses sur nous-mêmes, qui nous apprennent à donner plus volontiers, plus facilement. Donc, je pense que oui, ça nous apprend beaucoup. Si on veut aider l'association, il y a un site internet. On peut. Mm-hmm. Comment on fait alors? Alors oui, on a un site www.kifekwa.com. On a Facebook aussi. Ah. Alors on en... Attention, l'orthographe, K-Y. Oui, l'orthographe est. Alors K-Y-F-E-K-O-I pour le site internet, donc www.kyfekaoi, on oublie l'accent aigu, .com. Oui. On a. Alors, pardon aux auditeurs de Radio People, mais effectivement, notre site internet n'est pas très update en ce moment. Ça fait un moment qu'on n'a pas le temps de le mettre à jour. On a un Facebook qui est un petit peu plus à jour, qui est toujours qui fait quoi. Donc K-Y-F-E accent aigu cette fois-ci, Kaoui sur Facebook, et puis vous retrouverez le K, le logo orange avec le K bleu au centre. Pardon, je t'ai coupé, Marianne. Non, mais voilà, après on apprécie d'avoir des soutiens financiers, bien entendu, par des dons, et puis après des soutiens de gens bénévoles qui viennent donner un peu de leur temps, aider pour une sortie, pousser un fauteuil, donner la main à quelqu'un qui est non-voyant, lui décrire le paysage, voilà, des choses toutes simples, en fait, que n'importe qui peut faire. Donc ça, c'est aussi important, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles. Donc il y a la partie don financière, mais il y a aussi la partie dans l'action par les bénévoles. Donc voilà, si vous avez envie de passer un moment, de venir nous voir, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter sur Internet. Voilà. La vice-présidente fait bien son travail, hein, oui, de promotion. Ouais. Elle est bien. Secrétaire. Elle est secrétaire. Oui, mais ça, c'est pour les impôts, mais moi, on voit bien. Voilà. C'est bien. Marcole, on est le 23 décembre 2018, à 2 jours de Noël. C'est quoi Noël pour toi? Ah, la question qu'il ne fallait pas me poser. Ah oui, ben, tu l'as. Je ne suis pas du tout un fan de Noël, moi. Ouais. C'est comme la lecture. Il y a plein de choses que tu n'aimes pas beaucoup. Hein, oui, ouais, moi, je suis un réfractaire, ouais. En fait. Ouais. Je suis un bouton noir. Ouais. Non, Noël, ce n'est pas trop mon truc. En fait, tout ce qui se passe autour de Noël, j'ai... Mais ça l'était, puis ça s'est perdu, ou pas forcément, ou de ça tout. Ça n'a jamais été mon truc, Noël. Pas en plus, vraiment. C'est une période de l'année que je n'aime pas du tout, parce qu'il fait... Il fait froid, il fait pas chaud, il y a pas de soleil. Là, on voit effectivement. C'est gris, ouais. Ouais, si à Sainte-Croix, c'est gris. Là, ouais. Actuellement. Ouais, mais ici, c'est parce qu'on est puni. Hein. Ouais, c'est, ouais. C'est autre chose. T'as pas payé assez cher pour avoir le soleil. Ouais, ouais. Non, mais en fait, voilà, c'est une période de Noël que j'ai beaucoup de peine, parce que je trouve qu'il y a. C'est too much ce qui se passe autour des cadeaux. C'est commercial. Ouais, c'est beaucoup trop commercial. Ouais. Voilà, alors ouais.
Mais la réunion pas... de la famille ensemble, puis voilà. Mais je veux dire, on se voit quand même. C'est aussi une occasion de l'année où on peut c'est une occasion. Un petit peu quand même. Mais voilà. En fait, on se voit tout au long de l'année. Donc c'est c'est pas une occasion plus qu'une autre. On peut se voir. On va se voir prochainement parce que c'est l'anniversaire de notre fille. On va se voir prochainement pour le Nouvel An. Donc c'est voilà, pas, donc c'est pas, manque voilà, pas de ça. Quoi, ouais. D'une part, et puis d'autre part, je me dis il y a aussi d'autres personnes qui voilà, pour qui sont seuls à cette période-là, qui ont perdu quelqu'un de cher autour d'eux. Je pense notamment à une collègue de travail, Lily, pour ne pas la citer. Voilà, c'est des choses. Cette période-là, elle n'est pas facile pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont dans l'opulence, et puis il y en a pour qui c'est très compliqué, qui sont seuls. Donc, c'est pour moi, enfin, je suis pas très confortable dans cette période-là. Alors, je l'ai jamais vraiment été. Et je le suis de moins en moins, malheureusement, peut-être au détriment aux grandes dames de madame, mais qui, elle, est à fond dedans. Voilà, voilà. Alors madame à fond dedans, vas-y, donne-nous un petit message de Noël. Positif. Voilà, Moi, j'aime voilà, toutes ces réunions familiales, partager un moment pendant un moment particulier. Oui, on se voit toute l'année, mais là, c'est spécial. On s'habille bien, on fait un bon repas, on prépare. Qu'est-ce qu'on mange? Cette dinde, cette fameuse dinde, cette pauvre dinde, ou bien non ? Ce ne sera pas la dinde. Pas la dinde, ouais. Ce sera quoi, par exemple ? Alors, ben, ce soir, on fait Noël un petit peu en avance, justement, chez Raphaël, le frère de Marcole, et on aura un pâté en croûte en entrée. Pâté ancestral. Voilà. Ouais, après, je ne sais pas. Après, c'est la surprise. Voilà. Donc, voilà. Mais moi, j'aime ça. J'aime toute la période de préparation, préparer des petits biscuits, des décorations. Des décorations aussi, voilà. Exact. Très bien. Je mets petit à petit à la maison pour ne pas heurter trop Marcole. Je ne commence pas trop tôt. Mais voilà, moi j'aime bien toute cette effervescence un peu dans le but. Toujours le but de faire plaisir en fait. Moi c'est le but, voilà, quand on fait des cadeaux, si je me dis tiens, je vais essayer de penser qu'est-ce que la personne va vouloir, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, réfléchir un petit peu, chercher et me dire bah, tiens, elle va déballer son cadeau, elle aura une surprise et j'espère que je serai tombée juste, de voir le sourire. Voilà, c'est ça, c'est l'échange. Passer un bon moment tous ensemble. Après, moi, j'ai du plaisir à recevoir des cadeaux. Hein. Oui. Et en faire aussi. Je suis plus à penser aux autres qui ont pas la chance que nous avons. Des fois, on fait trop. Voilà, c'est ça aussi. Qui me dérange un petit peu personnellement. Mais voilà, il vaut mieux continuer sur le message positif de Marianne, de ce côté-là. Très bien. Si on veut se procurer ton livre... Alors, le livre, donc, j'ai vaincu, mais je l'ai vécu aussi, la tétraplégie, mon incroyable combat vertical. Donc, c'est aux éditions Favre. On le trouve à la FNAC, donc en Suisse, FNAC Suisse, chez Payot et dans toutes les autres bonnes librairies d'ailleurs de Suisse romande. On le trouve aussi directement via Qui fait quoi, hein, ceux qui veulent vous écrivez, on a un email qui est Qui fait quoi, kyfekoi@gmail.com. et puis si vous voulez une petite dédicace, bah, effectivement il faut passer par Qui fait quoi. Il est vendu au prix de 25 francs, prix public. Et puis voilà, ben, vous connaîtrez mon histoire, hein, cette fois-ci. Et puis alors, pour ceux qui sont comme moi, des pas très bons lecteurs, eh ben, à la fin du livre, on a réédité la petite bande dessinée de l'époque, de 1995, qui était faite par Axem à l'époque. Donc voilà, 16 pages, très facile à lire. C'est une mise en bouche, on va dire, mais qui est à la fin du bouquin. Et puis alors, pour celles et ceux, je peux donner déjà un rendez-vous qui sera le samedi 16 février. 2019, hein, de 10h30 à midi, je serai à la librairie Payot à Neuchâtel pour vente et dédicace du livre. Voilà, donc samedi 16 février 2019, c'est bien ça, hein, pas que je dise de bêtises, il faut que je regarde mon agenda, pour l'instant il faut meubler, mais je crois que c'est ça, c'est de 10h30 à midi. Meublons, t'as une commode, t'as une étagère, on va meubler un peu, un lit, hein, t'as plein de meubles, alors voilà, on ça a plein de meubles pour faut. Meubler. Très bien. En même temps, on peut dire à mon frère qu'on va être en retard pour le repas de Noël, c'est pas grave. Voilà, exactement. Donc c'est bien ce que je vous disais, ça sera bien le samedi 17 février 2019, librairie Payot à Neuchâtel, de 10h30 à midi, vente et dédicace de mon livre « J'ai vaincu la tétraplégie ». Voilà, et puis vous pouvez me voir en live, en vrai.
Ouais, formidable. Et une petite dédicace, ça fait toujours plaisir. Merci Marianne d'être venue. Mais avec plaisir, merci pour l'accueil. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de te donner la parole un petit peu, puis qu'on en parle, gentil. Et puis qu'on voilà, puis voilà, parce que c'est pas qu'une histoire et qu'une aventure et qu'une personne, et c'est aussi les personnes qui sont autour et toi au plus près de lui, comme les parents, comme le frère, comme enfin voilà, c'est aussi important d'avoir aussi un regard de ce côté-là. Donc j'ai été enchanté de vous recevoir. Merci Marcole. Merci Phil. Merci. La magie toi. Des réseaux sociaux. Et puis tout d'un coup, je vois passer. Puis je me dis, tiens, elle a une bonne tête, celui-là. Alors on va faire un petit message. On ne sait pas. Puis tout d'un coup, on se dit, voilà. Puis on fixe. Puis on fait. Puis même qu'on est le 23 décembre. On fait quand même. Entre gens sympathiques et tout, on peut quand même se rencontrer. Absolument. Avant la route du canton de Neuchâtel. Tu vois, entre la France et le canton c'est de Neuchâtel. On passe par ici. Puis on a le même coiffeur, toi et voilà. moi. Oui, absolument. Exactement. Exactement. Il est très bien, celui-là. Moi, je le garde, en tout cas. Ça va très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite un joyeux Noël, de merci, belles fêtes, pareillement. Une très belle année 2019. Également. Et continuez d'avoir les deux ce grand cœur et de démontrer et de prouver par l'acte qu'on peut tendre la main, on peut aider, on peut recevoir tout en donnant. Donc ça, c'était magnifique. Merci à toi, Phil, et merci doublement à toi, Phil, parce que tu es le premier à m'avoir contacté, le premier média qui m'a contacté. Et Radio People est la première radio que je fais. Par rapport à ce livre. J'espère que ce ne sera pas la seule. Je sais que ce ne sera pas la seule, mais Radio People, c'est la première. Donc, grand merci. Et ça fait du bien au cœur, là. Merci. Honoré. Merci beaucoup. Merci. Plein de belles choses à vous. Bonne continuation. Merci.